C'est évident qu'il restera très peu d'occasions au Castré pour renverser la tendance. Les dernières secondes, Raphaël. 40 secondes à jouer encore, et ce sont les Irlandais qui sont en possession de cette balle de match, très clairement, avec Murphy. Stoppé sur la ligne médiane. O'Leary qui va lancer son talonneur. Mafi, il est là, hein, toujours disponible dans la ligne, et ça enchaîne maintenant avec Duprez. On est revenu sur la ligne des 10 mètres, ne pas commettre de faute. Ah, il ne faut pas nous refaire une Northampton Munster. Hein. Ah, ils sont capables. Hein. Ils sont capables. O'Gara qui va décaler Fogarty en bout de ligne. Bonne défense de Thales. O'Leary, ça va vite. Qui fait les bordures. Il est là le ballon. Il est en possession des Irlandais. C'est difficile pour les joueurs castrés parce qu'ils sont partagés entre les deux, vouloir récupérer le ballon à tout prix pour gagner ce match, avoir une opportunité et en même temps ne pas faire de faute, surtout parce que enfin c'est bien O'Gara. Il est prêt Ronan O'Gara, il est en position. O'Leary va éjecter ce ballon. Ronan O'Gara, bis repetita ou pas. C'est parti en tout cas pour Ronan O'Gara, le champion. Il va le faire. Quel champion. Il le fait, c'est incroyable. Quel ce champion. Joueur est phénoménal. Et c'est le même scénario que contre Northampton la semaine dernière, à la dernière seconde. Le dieu, parce qu'en Irlande c'est un dieu, Ronan O'Gara passe le drop de la victoire. Que c'est cruel pour Castres qui a fait un excellent match, qui vient mourir. 27-24 pour le Munster. Et oui, c'est beau pour un joueur comme Ronan O'Gara, c'est dur pour les Castrés. Ce sont des joueurs qui inspirent le respect, qui sont redoutés par tous les adversaires. Pourquoi? Parce qu'ils sont capables de faire basculer le sort d'une rencontre, de faire la différence dans les derniers instants du match. Magnifique drop, il ne s'est même pas retourné, il savait que ce drop était passé entre les barres. C'est très cruel pour le Castres Olympique qui avait pris l'initiative de délocaliser ce match. Très cruel aussi pour le capitaine Chris Mazoé qui s'est beaucoup donné. Élu homme du match, mais celui qui a eu le dernier mot, c'est lui, Ronan O'Gara, Paul O'Connell. On vous l'avait dit. Hein, dans la...